Il fait un froid de canard. La Lady Powder, sud-africaine, une femme très forte, au G20, a eu des discussions avec des journalistes. On lui a posé une question très perturbante. Enfin, une question intéressante, mais ayant une réponse très perturbante. On lui a posé la question de savoir, que pensez-vous de l'Ukraine qui voulait venir faire partie du G20 et expliquer son problème à toutes les nations du monde, pour que vous le compreniez? Écoutez sa réponse. Kiev has also said that had they been invited to the G20, they would have been able to impress upon the delegates and the members the reality of the situation, and it would have helped their understanding of what was happening in the war. Do you think Ukraine should have been invited to the G20? L'Ukraine voulait parler au président de la République, au président, au chef des nations, pour essayer d'expliquer les difficultés qu'il traverse, pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Est-ce que tu penses que c'était une très bonne idée? Suivez. Ukraine is not a member of the G20, and it's not been the practice to invite, external countries to come to the G20 and almost make a submission. We are very pleased that the African Union has become a permanent part, and again we credit and thank India for that decision having been made. But I don't think that it would be appropriate to have a situation where one country that has a conflict then believes it should be invited. Should we be inviting Mozambique, which has got terrorist attacks? Should we be inviting Mali, which has had a coup? Wow! Faudrait-il aussi inviter le Mozambique, qui a des troubles avec des terroristes? Faudrait-il aussi inviter le Mali, qui a des problèmes actuellement? Un pays ne peut pas seulement dire, bon, je serai invité au G20 seulement parce que tu as des difficultés. En quoi est-ce que ça te rend plus important que les autres pays? Le Mali, le Burkina Faso, le Mozambique? Or Burkina Faso, if we don't invite them, why? Is it because they're African? And so the conflicts they experience don't matter. So I think we have to be very measured in how we approach international organizations and participation within them. Wow! On doit faire très attention sur comment on traite les histoires globales. Est-ce qu'il faudrait inviter le Mozambique aussi, le Mali, le Burkina Faso, puisqu'on veut inviter l'Ukraine? Ou bien le Mali, le Burkina Faso et le Mozambique n'ont pas beaucoup d'importance puisqu'ils sont africains. Et on ne les invite pas pour venir exprimer, expliquer leurs difficultés, présenter leurs doléances. Pourquoi seulement l'Ukraine? En quoi est-ce que l'Ukraine est beaucoup plus importante que tout le monde? C'est une femme très forte qui n'a peur de rien. D'abord, il faut comprendre c'est quoi les G20. C'est quoi les G20? Le G20, c'est le groupe de 20, créé en 1999, est un groupe de rencontres et des décisions informelles mise en place pour faire face aux successions de crises financières dans les années 90. Il est composé de 19 pays et l'Union européenne. Donc ce sont des pays qui viennent ensemble, des présidents de la République, des représentants de gouvernement, des banques, des institutions financières pour discuter sur l'avenir, comment gérer la crise financière, comment gérer aussi le réchauffement climatique et autre chose. Le G20 réunit une fois par an les chefs d'État, les ministres de finances, ainsi que les gouverneurs de banques centrales des pays industrialisés et des pays émergents, dans le but de faciliter la concertation économique internationale et de proposer des solutions aux différentes crises économiques. Ils représentent 85% du commerce mondial de tiers de la population du monde. Donc, ce sont des gens, en d'autres termes, termes faciles, qui viennent se mettre ensemble pour discuter sur votre avenir. De manière informelle, ils le font sans que vous le votiez, mais finalement, ils vont l'implémenter. Par exemple, ça, tout ça là, c'est eux qui décident. Maintenant, le G20 a été créé depuis 1999. C'est à peine aujourd'hui qu'on a intégré l'Union africaine. Aage ki karwai shuru karne se pehle, main African Union ke adhyaksh ko G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए. Ouais, un peu. Depuis 1999, cette histoire existe. Mais c'est à peine aujourd'hui qu'on vous appelle. Moi, je n'irai pas. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez mangé. Quand c'est resté la soupe, alors là, vous m'appelez pour manger. Ah non. C'est une invitation en retard, je ne viendrai pas. C'est-à-dire que vous ne pensiez pas à m'inviter de le départ. L'Union africaine a été intégrée. À mon avis, je pense que c'est clair, avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, on a remarqué que les Africains se penchent beaucoup plus vers la Russie. Et certainement, pour commencer à renverser la vapeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter les Africains, appelez-les. Dans la fête où ils manquent, ils sont pas là, il faut les appeler pour faire... Ouais, il faut qu'ils viennent manger les frites. Comme ça, ils vont changer leur attitude. Mais la Lady Pandora s'en fout. Et si on lui pose la question, disons, l'Union africaine vient finalement d'être intégrée au G20. Quel est votre ressenti par rapport à ça? The African Union has been inducted in the G20 as a full-fledged member. Do you think Africa is finally getting its voice and its rightful place on global platforms? Well, certainly it's beginning to happen, but of course we've got the bigger one. I suppose we're eating an elephant one piece at a time, because the really big one is the reform of the UN.
and particularly addressing the UN Security Council and the absence of emerging powers of the world, India, Brazil, absent Africa. Africa is now decolonized, largely free and independent, but we have a non-permanent presence on the Security Council. India is not a permanent member. And it just, you know, for the most populous country in the world, not to be represented in a body of such importance really speaks to the need for reform. So I think the changes that are occurring are important, but the large prize is the premier multilateral institution, the United Nations, and its reform. Elle dit si clairement, c'est bien que nous soyons invités au G20. C'est une très bonne chose. Mais notre objectif principal, c'est les Nations Unies. Dans les Nations Unies, évidemment, on cherche à intégrer le Conseil de sécurité. Vous savez, dans les Nations Unies, apparemment, toutes les nations sont égales. Mais ce n'est pas la vérité. Il y a le groupe des nations qu'on appelle le Conseil de sécurité. Il y en a cinq. C'est cinq pays privilégiés. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Quand eux disent non sur quoi que ce soit, c'est non. Même si 26 pays qui ne font pas partie du Security Council ou du Conseil de sécurité disent oui, quand un pays parmi ces cinq dit non, c'est non. Donc, en d'autres termes, d'autres pays sont comme participants, comme spectateurs, pour que eux fassent leurs décisions et dirigent le monde comme ils désirent. Ce n'est pas un monde juste, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes histoires pour lesquelles Robert Mugabe s'est battu, les mêmes histoires pour lesquelles Kadhafi s'est battu. Maintenant, l'indépendant le dit clairement. Notre objectif, c'est le Conseil de sécurité. Nous voulons une représentation de l'Afrique dans le Conseil de sécurité. Naledi Pandor est de nature très forte, depuis très longtemps. C'est une femme, à mon avis, qui inspire beaucoup de gloire, beaucoup de puissance pour une femme africaine, ou pour une femme en général. Juste pendant le début de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis ont déployé des diplomates pour venir en Afrique pour essayer de persuader les Africains, en tout cas de force, de travailler avec eux, de tourner le dos à la Russie. On a dit à plusieurs Africains, plusieurs gouvernements, celui qui osera dealer avec la Russie aura des situations et des problèmes très difficiles avec les États-Unis. Écoutez sa réponse par rapport à ça. But in terms of our interaction with some of our partners in Europe and elsewhere, there has been a sense of a patronizing bullying toward you choose this or else. And the recent legislation passed in the United States of America by the House of Representatives, we found a most unfortunate bill that we'd hoped the media would say more about, because when we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa's doing this, you will then be punished by the United States. So that's been a disappointing passage of legislation by one house, and we hope the other house will not agree to such offensive legislation. Elle parle avec beaucoup de classe, mais elle vous dit la vérité. Ça, c'est ça, recadrer. Recadrer, ce n'est pas insulter, comme j'en pense. Non, recadrer quelqu'un, c'est lui faire changer d'avis de manière intellectuelle. Le replacer à sa place. C'est ça, recadrer. Ce n'est pas insulter. Écoutez, classe et... Aïe, aïe, aïe. So, indeed, it is important that all of us accept our ability to hold different opinions. We are, after all, sovereign nations. Nous sommes des nations souveraines. That are regarded as equal in terms of the United Nations Charter. We may differ in terms of economic power and economic ability to influence development in different parts of the world, but what will make the world work is if we respect each other. Ce qui ferait fonctionner le monde, c'est le respect. C'est qu'on se respecte mutuellement. Il faudrait qu'on se respecte. Ne venez pas nous dire ce qu'on doit faire par rapport à la Russie ou l'Ukraine. Nous sommes des nations souveraines. On peut prendre nos propres décisions en accord avec nos propres identités. Ce que nous voulons. Ne nous dites pas ce qu'il faut faire. Nous sommes libres. Okay? Je ne serai pas intimidé par qui que ce soit, quoi qu'il en soit. Et je suis content de voir que M. Blinken n'a pas osé essayer de m'intimider. Me disant, tu feras soit ça ou tu auras ça comme répercussion. C'est ça, une femme forte. Il y a quelque temps, l'Union africaine accueillait, sans le savoir, des diplomates israéliens qui sont venus en observateurs. Observateurs israéliens dans l'Union africaine. Je répète, observateurs israéliens dans l'Union africaine. Voilà ce qui s'est passé. On l'a jeté dehors. Comment toi tu peux venir observer l'Afrique? Tu n'es pas africain. Incroyable.
observateurs israéliens dans l'Union africaine. C'est ça le néocolonialisme. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des observateurs israéliens? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des observateurs africains en Israël ou en Europe? Je ne sais pas. Écoutez Naledi Pandor parler très ouvertement sur des sujets que beaucoup de personnes évitent. How many more reports do we need that call Israel out on their unfair treatment of Palestinians and point out that Israel is implementing apartheid? Of course, for many South Africans, the narrative of the Palestinian people's struggle does evoke experiences of our own history of racial segregation and oppression. We identify very clearly and fully with the struggle for freedom and self-determination in Palestine. À la fin, elle exprime très ouvertement ici, disant très clairement que les Palestiniens sont victimes de ségrégation et d'apartheid dans leur propre pays. Et moi, étant sud-africaine, je comprends tout à fait ce qu'ils vivent dans leur propre pays. Israël devrait d'abord accorder la liberté aux Palestiniens avant d'envisager quelqu'un en coopération avec nous. Et ça, apparemment, c'est le chairman Moussa Mohamed, ce gars ici qui a donné l'autorisation aux Israéliens de venir à l'Union africaine. Lui-même, de son propre gré. Vous voyez comment les Africains sont. On te fait président d'un truc, tu penses que tu peux commencer à appeler qui tu veux. Tu peux mettre ta cousine, ta tante. Moussa Mohamed. C'est lui qui a invité les Israéliens. Mais les gens étaient assez forts. On dit non, vous n'avez pas le droit de... Ici, ce n'est pas chez vous. Ici, c'est chez nous. Nous ne sommes pas chez vous. Vous ne pouvez pas être chez nous. Encore une fois, Naledi Pandor dit clairement que l'Ukraine ne devrait pas venir faire partie du G20 pour exprimer ce qu'ils ont comme difficulté. Autant on respecte. Cela envisagerait aussi faire venir le Mozambique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger aussi, parce qu'ils ont aussi des difficultés. Sinon, cela reflèterait une image selon laquelle l'Ukraine serait beaucoup plus importante que ces autres nations qui sont en difficulté aujourd'hui. Très forte comme position. Aujourd'hui, ils invitent l'Afrique en 2023, après 20 ans, ou je sais pas combien d'années, 23 ans. C'est quand même honteux. Mais il est important de savoir qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes, qu'il y a des personnages africains qui combattent réellement pour les vraies causes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle se met en danger elle-même? A-t-elle raison de s'exprimer et d'expliquer les réalités que beaucoup de personnes ont peur? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous lit. God bless.